encore à courir. On voit qu'Égypte n'est pas là. Il t'empêche de sortir, lui, pour déshonorer ta famille. Et quand il n'est pas là, tu n'as pas peur de moi. Tu regardes partout, à tout instant, que je gouverne ma maison de façon brutale et injuste. Et que je t'écrase d'injures avec tout ce que tu es. Mais je n'injurerai pas seul. Je ne fais que répondre au mal que tu dis de moi. Ton père. J'ai tué ton père. Toujours le même refrain. Oui, je l'ai tué. Je le sais. Je ne dis pas le contraire. Ce n'est pas moi. C'est la justice qui l'a condamné. Et si tu étais un peu raisonnable, tu serais pour la justice. Car enfin ce père que tu pleures toujours, seul de tous les Grecs a eu le courage de sacrifier ta sœur le Dieu. Il avait pourtant moins souffert pour l'engendrer que moi pour la mettre au monde. Enfin, et apprends-moi pour qui il a sacrifié? Les Argiens. Les Argiens n'avaient aucun droit sur la vie de ma fille. Non. Il s'est substitué à son frère Ménélas pour me prendre celle que j'avais de plus chère. Et il n'aurait pas dû m'en rendre compte. Ménélas avait deux enfants, dont la mort était plus légitime que celle de ma fille, puisque leur père et leur mère étaient à l'origine de l'expédition. L'enfer était plus affamé de mes enfants que des enfants d'Hélène. Ou bien, ton misérable père n'avait aucune affection pour les enfants que je lui ai donnés. Il préférait ceux de Ménélas. Un père bien léger, bien peu responsable. Je te le dis comme je le pense. Si tu n'es pas de mon avis, tant pis. La morte aurait dit la même chose si elle le pouvait. Moi, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et si tu crois que je parle à tort et à travers, attends d'avoir un jugement plus sûr avant d'injurier les autres. Tu ne diras pas aujourd'hui que c'est moi qui ai commencé par des paroles affligeantes. Tu me permets de parler. Je dirai des choses raisonnables sur mon père et sur ma sœur. Oui, je te le permets. Si tu commençais toujours ainsi, tu serais moins affligeante en même temps. Alors écoute, je te parle. Tu reconnais que tu as tué mon père. Avec justice ou sans justice. Quelle honte dans ton aveu! Je prétends moi que tu l'as tué sans justice. Mais seulement pour obéir aux lâches qui partagent ta vie depuis ce temps-là. Demande à Artémis la chasseresse, en punition de quel crime elle retenait les bancs à Aulis. Ou plutôt, je vais le dire à sa place. Tu n'as pas le droit de l'interroger. Mon père, un jour, on raconte qu'il s'amusait dans l'enclos sacré de la déesse. Il y avait un cerf taché, bien cornu, tout fier en l'abattant, qu'il dit un mot de vanité. Alors la déesse se met en colère et arrête le départ des Grecs et exige de mon père, en échange de la paix, qu'il meure sa propre fille. Il n'avait pas d'autre route pour notre armée vers son pays, ni vers le mien. Ainsi, contraint, après avoir lutté longtemps, il a sacrifié son enfant. Pas du tout pour Ménélas. Et même, je vais parler comme toi. S'il l'avait fait dans l'intérêt de Ménélas, devait-il mourir de ta main? Par quelle loi? Ou si tu établis cette loi pour tous, tu feras donc prendre ton malheur? Faut-il qu'un homme soit tué pour un autre? Mais alors, tu serais la première à mourir si tu étais puni comme tu le mérites. Cela est prétexte. Et apprends-moi aussi pour manger quoi? Tu fais la chose la plus ignoble. Tu couches avec un tueur qui t'a égaré.
enfants et tu chasses des enfants légitimes, mais de l'union légitime. M'ont-ils approuvé ça? Tu vas dire que c'était pour venger ta fille. Tu aurais tort de le dire. On n'épouse pas un ennemi pour venger sa fille. Son coupable est avec toi. Tu cries que j'injurie ma mère. Tu n'es pas une mère pour moi. Tu es un tyran. Pour moi qui mène cette triste vie, au milieu des pères sans nombre que je vous dois, à toi et à ton amant. Et là-bas, en terre étrangère, le pauvre malheureux qui t'a échappé de bien peu. En reste, elle aussi une vie lamentable. Souvent tu m'as reproché de l'élever pour le jour de ton châtiment. Eh bien crois-moi, je le ferais si j'en avais la force. Maintenant, va crier partout que je suis une fille mauvaise, bavarde et hontée. Ce que je tiens de ton sang. Je la vois brûler de colère, mais il ne semble pas qu'elle ait grand souci d'avoir la justice pour elle. Et moi, faut-il que j'ai souci d'une fille qui insulte ainsi sa mère? À l'âge qu'elle a, tu ne vois pas qu'elle est capable de tout, sauf d'avoir honte. Si j'ai honte de tout ce que je fais ici, même si je ne le vois pas, je sais que je ne me conduis pas comme il faut pour mon âge et pour ma naissance. Mais c'est toi. C'est à elle qui me force. La laideur entraîne la laideur après soi. Oh, effrontée. Moi, toujours moi, ce que je fais, ce que je dis. Tu ne sais parler que de moi. Ce n'est pas moi qui parle ici, c'est toi. C'est toi qui fais l'action. L'action que le mot. Ah, souveraine Artémis, tu vas me payer ton insolence. Attends qu'Égiste soit rentré. Tu vois, tu te mets en colère. Tu m'avais permis de dire ce que je voulais. Je ne sais pas m'écouter.